Voici quelques mois, j'ai eu le plaisir d'interviewer Serge de Ruette, d'une part sur la grève de 1960, et ensuite, alors je crois que dans l'ordre chronologique ça aurait dû évidemment venir plus tôt, ensuite je l'ai interviewé sur la question royale, question populaire. Il y a de cela, c'était en été. Voilà, nous sommes maintenant en plein hiver, quelques mois plus tard, et nous avons décidé ensemble de discuter sur un sujet qui étonnera peut-être, mais qui est très original et qui mérite en tout cas d'être approfondi, ce qu'il a fait d'ailleurs dans un travail qui va être montré tout à l'heure. Alors, je rappelle qui est Serge de Ruette. Il enseigne à l'université de Mons. Il a publié différents ouvrages et articles sur l'histoire politique de la Belgique, dans le domaine de l'histoire de la pensée politique. Et je cite encore d'autres de ses activités parce qu'elles ont un rapport immédiat avec le sujet du jour. Et il est un des cofondateurs de l'Association belge des athées, dont il est vice-président. En outre, il est membre de l'Association des Amis de Jean Mélié, puisque ce sera le sujet dont il va être question d'ici quelques minutes. Alors, Serge, un grand plaisir de te revoir aujourd'hui. Plaisir partagé, hein, Jean-Michel. Voilà, c'est très gentil à toi, d'autant plus que nous nous connaissons maintenant depuis... En tout cas, depuis le siècle passé, je ne pourrais pas dire depuis quelle année, mais en tout cas, depuis le siècle passé, c'est-à-dire depuis plusieurs décennies. Voilà, ça, c'est tout à fait sûr. Ça ne nous rajeunit pas. Exactement. Alors, je voudrais te poser quelques questions, et pour que nos auditrices et nos éditeurs voient un petit peu quel parcours, quelle trajectoire va être menée dans le cadre de cet entretien, nous avons décidé ensemble, dans un premier temps, de parler des sources qui nous permettent de connaître la vie de Jean Mélié, parce que quand on fait un travail d'histoire, et surtout quand il ne s'agit pas de l'histoire ultra-contemporaine, a fortiori, il n'est pas évident de trouver des documents. Donc il sera d'abord question des sources qui nous permettent de connaître la biographie de Jean Mélié, mais aussi et surtout, parce que c'est de cela dont il va être question essentiellement dans cette interview, de connaître sa pensée. Ensuite, Serge va expliquer quelques ou exposer quelques éléments essentiels de sa biographie, en tout cas ce qu'on en sait, et puis, comme je l'expliquais il y a quelques minutes, il sera question de deux grands aspects de la pensée de Jean Mélié, à savoir d'une part son matérialisme et son athéisme, et d'autre part alors sa vision, sa conception de la société et plus particulièrement des rapports de force, c'est-à-dire des rapports de classe dans la société. Donc première question, Serge, que je vais te poser, c'est la suivante. Alors, comment connaît-on, d'une part, la vie de Jean Mélié, et d'autre part, comment connaît-on également sa pensée? On ne va peut-être pas trop s'attarder là-dessus, parce que comme tu es un spécialiste du sujet et que tu écris un ouvrage sur le sujet, je te demanderai d'aller à l'essentiel, comme nous l'avons convenu ensemble. Ah ben, l'essentiel, parce que... on a très peu de choses sur la vie de Jean Mélié. Par exemple, on ne sait pas à quoi il ressemblait, on n'a aucun portrait de lui. Mais d'abord, qui c'était? En quoi c'est un personnage important? Et quand il a vécu aussi, parce que je n'ai encore rien dit. Qui c'était? C'était un curé. Et comme tu l'as dit, c'est un curé qui va défendre l'athéisme, c'est même le précurseur, c'est le premier théoricien, peut-on dire, de l'athéisme, et le premier théoricien du matérialisme moderne. Il a vécu, hein,
Au XVIIe et au XVIIIe siècle, il est né dans le grand siècle 1664, c'est sous Louis XIV, et il meurt en 1729. On est là dans le siècle des Lumières, au début du règne de Louis XV. Et quand il meurt en 1729, il va léguer à la postérité un énorme manuscrit. Quand on le publiera en 1970, ça sera 1200 pages. Hein, imprimé un énorme manuscrit qu'il va copier et recopier plusieurs fois. 70 fois, du siècle passé. Du siècle passé, de oui, oui. 1970. Oui. Et donc, il lègue en 1729 à sa mort donc cet énorme manuscrit. Très peu connu dans le siècle des Lumières, très peu connu, vraiment méconnu dans le 19e, et il va réapparaître dans le 20e siècle. Mais c'est un moment important de la pensée. Ce curé athée, ça étonne toujours d'avoir un curé qui est défendu, qui est promu l'athéisme, et pourtant, où a-t-il vécu ? Mais il a vécu dans les Ardennes en France, tout près de Charleville-Mézières. C'est là où il va obtenir sa cure d'un petit village qui s'appelle Étrépigny. Il a un secours également, le village voisin Balève, donc il est curé d'Étrépigny et de Balève, en 1689, il a 25 ans. Et il va le rester jusque sa mort, jusque 1729. Et on sait que c'est dans les dernières années de sa vie qu'il va commencer à écrire cet énorme mémoire dans lequel il donne toutes les raisons de ne pas croire. On y reviendra, dans lequel il va jusqu'à l'athéisme et au matérialisme, et dans lequel il développe aussi une pensée politique qui en fait également un personnage, une personnalité importante dans l'histoire des idées politiques et pas seulement. Je voudrais te poser dès lors une première question. Alors, quels furent ses rapports, d'une part, avec le seigneur du lieu, parce que nous sommes à une époque où il y a encore un système seigneurial jusqu'à la Révolution française, et d'autre part, ses rapports avec sa hiérarchie. Oui, on sait très peu de sa vie, on ne sait pas à quoi il ressemble. On sait quand il est né, en tout cas quand on l'a baptisé, le jour exact. Sa mort, on ne la connaît pas. On sait une fourchette. Il est mort le 27 juin 1729 et le 6 juillet 1729. Pourquoi ? Le 27 juin, il va signer un dernier acte, c'est une résignation, à Mézières. Et le 7 juillet, on procède à l'inventaire de sa succession. Il doit être mort entre le 27 juin et le 6, la veille, au moins, et vraisemblablement plus à la fin juin. Mais on ne sait pas plus que cela. Quoi qu'il en soit, qui va le rendre important, c'est le texte qu'il lègue. Et c'est loin d'être. Alors je crois qu'en 1716, il pose un acte devant les... Voilà. Voilà. Et donc sur le peu qu'on connaît de lui, les rapports avec son seigneur et puis avec l'archevêché. Oui. Ben, il a fait ses études à l'archevêché de Reims pour devenir curé. Et là, il est relativement bien vu, semble-t-il, par l'archevêque. Hein. C'est pas n'importe qui, l'archevêque de Reims. C'est un grand seigneur, c'est lui qui couronne les rois de France. Et donc, il est relativement bien vu, l'archevêque Le Tellier. C'est un contestataire de l'Église, c'est un janséniste, c'est un tout grand seigneur, mais apparemment, il n'y a pas de problème avec Mélier. Et donc, il va enquêter sur Mélier. Il y aura une enquête qui se fait en 1696, et là, rien à redire, impeccable, il a juste 7 ans, dit-on, une servante, qui n'a pas l'âge canonique. Elle est fort jeune, il la présente comme une cousine, mais ce n'est pas bien grave pour cet archevêque, on ne va pas s'offusquer pour si peu, ça se fait d'ailleurs si souvent dans cet archevêché où l'âge canonique n'est pas 40, mais 50 ans. Par contre, il va se passer quelque chose en 1716. Là, Mélier a 52 ans. Il est curé depuis plusieurs dizaines d'années dans ce village. Les rapports avec le seigneur apparemment sont tendus. Il prend le parti de ses paysans contre le hobereau, contre le petit seigneur du coin. Et tout ce que l'on sait, et là ça va être corroboré par un acte de l'archevêché, un procès-verbal d'audition. L'archevêque va convoquer Mélier à la suite de cet événement. C'est la seule chose qu'on connaît à peu près de sa vie. Elle est importante. Peut-être peut-on la signaler rapidement. Oui, oui. Mélier doit, comme curé, hein, à toutes les messes, au prône, lors du sermon, recommander à Dieu le seigneur local. Et un dimanche,
de juin 1716. Mélier va alors, il y a eu un problème avec le seigneur. Il a méprisé, il a maltraité ses paysans. Mélier prend leur parti. Il va s'avancer devant la balustrade. Il n'y a pas vraiment d'hôtel devant la balustrade où le seigneur se trouve assis. Et il dit donc, je c'est devrais. Pas en chair de vérité. Il n'y a pas de chair de vérité dans cette petite église. Intéressant, petite église. Toute petite église, oui. Toujours debout, et donc on peut toujours la visiter avec l'association des amis du curé de Jean Mélier. Ben on la visite encore aujourd'hui dans cette petite église. Il s'avance, et là où il aurait dû recommander le Seigneur, il dit ben, je devrais le faire, mais je ne le ferai pas parce que on ne peut pas à la fois se recommander de la faveur divine et maltraiter, hein, comme il l'a fait, ces paysans, hein, et les pauvres. Alors là, c'est un scandale. On imagine le Seigneur va porter plainte à l'archevêché. L'archevêque, il va sommer le curé Mélier de s'amender. Et Mélier le fera. Il le fera à la messe suivante, mais il fait d'une manière assez étonnante, puisqu'il s'avance de nouveau devant la barrière, là, devant le Seigneur qui est devant lui. Et il dirait ce qui est corroboré par le procès-verbal d'audition qui aura lieu ultérieurement avec l'archevêché. Il dirait, ben voilà, les archevêques sont des grands seigneurs, ils n'ont d'oreille que pour la noblesse, ils n'écoutent pas les curés de village. Et puisqu'il en est ainsi, nous recommanderons donc à Dieu le seigneur de ces lieux. Mais Mélier ajoute, pour qu'il lui fasse la grâce de ne plus exploiter les paysans et de ne plus opprimer les pauvres. Alors là, la goutte déborde, là on va convoquer, l'archevêque va convoquer Mélier dans un village voisin, il y aura un rapport d'audition et Mélier sera sanctionné. La seule chose que l'on connaît de sa vie, une sanction relativement légère. C'est vrai que les disputes entre seigneurs et curés de village étaient nombreuses, hein, c'est les deux coqs du village d'une certaine manière, donc une sanction relativement légère, un mois de pénitence. Au séminaire à Reims, Mélier va quitter son village, il va à Reims, il reviendra, et là, il est battu. Non pas que la sanction ait été lourde, c'est un avertissement. Il sait qu'il ne peut plus prendre le parti de ses paysans contre son seigneur, et là, battu. Hein. On peut imaginer que battu dans la bataille du village, il se résout à gagner la guerre entière. La guerre, non pas contre le seigneur, mais contre le système féodal. Et c'est ça qui va motiver Mélier et qui va l'amener à écrire son énorme mémoire qui lèguera à sa mort. L'idée centrale, c'est vaincre, abattre la féodalité et la monarchie qui le soutient. Et comment le faire? Mais comment abattre la féodalité et la monarchie? En abattant l'Église qui soutient et bénit cette monarchie et le système féodal. Et comment combattre l'Église? Comment abattre l'Église? Ben, l'abattre en abattant la religion elle-même. On va y revenir. Et je termine là. Et abattre donc ce qui fait le centre nodal de la religion, abattre Dieu. C'est ainsi que Mélier va se résoudre, je pense. En 1716, il a encore 13 ans à vivre, et il va, dans ses dernières années de sa vie, entièrement les consacrer à l'écriture et au recopiage. Il va copier au moins 3 fois, 4 fois son mémoire. Il va consacrer sa vie à écrire les raisons de ne pas croire, pour, comme il le dit dans son langage, désabuser les paysans de cette idolâtrie qu'on leur propose et qui ne sert qu'à soutenir un monde injuste, un monde de puissants. On est 60 ans avant la Révolution française. Voilà pour toi. Voilà. Mais écoute, je voulais simplement ajouter une petite anecdote. Ce n'était pas du tout pour te couper dans ton élan, parce qu'on voit que tu es... On se vit au début du XVIIIe siècle en t'entendant, à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe. Donc ce que tu es en train d'expliquer est tout à fait passionnant, mais simplement parce qu'il m'est revenu en mémoire quelque chose qui t'intéressera peut-être d'ailleurs, c'est qu'il a eu finalement un sort plus enviable qu'un de mes ancêtres. Et mon ancêtre direct, qui s'est fait assassiner en 1747. Donc en 1747. Et devine pourquoi.
En fait, cet ancêtre, qui s'appelait Guillaume du Failly, je suis son descendant direct, et ça explique peut-être, enfin je blague ici, parce qu'on sait bien que les gènes n'interviennent pas du tout là-dedans, mais il se fait qu'en 1747, il a été assassiné. Voici pourquoi. Il était, comment dirais-je, il se fait que le comte de Berlaymont, le comte de Berlaymont était le seigneur de Sprimont, actuellement dans la province de Liège. À l'époque, c'était le duché de Limbourg. Et ce comte de Berlaymont avait décidé qu'il allait interdire aux paysans de continuer à rechercher, à user des forêts, hein, qui étaient considérés comme des communaux. Des communaux. C'était des terres communales. Les forêts. Voilà. Et lui a décidé de les confisquer pour pouvoir chasser à son usage, donc tout à fait exclusif. Et donc les paysans du lieu de Sprimont ont été trouver mon ancêtre qui était notaire et qu'ils ont pris comme syndic pour défendre ses intérêts en justice à l'époque. Et il se fait que ce comte de Berlaymont a payé des sbires, et ceci, comment dirais-je, il y en a eu la trace parce qu'il y a eu des témoins, parce qu'un de ses sbires a parlé, alors qu'il avait un petit peu trop bu, dans une taverne de Sprimont, et il a payé des sbires pour tuer mon ancêtre, ce comte de Berlaymont. Donc on est vraiment dans la lutte des classes. Et ça se passe en 1747. Heureusement, il avait eu le temps de rencontrer quelqu'un avant, ce qui explique ma présence. Mais je voulais en parler parce que c'est 40 ans, plus de 40 ans avant la Révolution française aussi, et que là, au fond, c'est un qui devait appartenir à la petite bourgeoisie, vraisemblablement, puisqu'il était un notaire, mais qui a pris fait et cause pour les paysans, à leur demande, pour aller en justice contre ce système féodal, qui d'ailleurs n'était pas respecté, parce que les paysans avaient acquis le droit de pouvoir, comment dirais-je, user, puisque c'était un droit d'usage, user de ce bois, alors qu'il avait été confisqué. Je voulais faire cette petite parenthèse, parce que je trouve que c'est le même climat, sauf qu'il n'est pas question ici d'ecclésiastique, mais il y a une liaison étroite, comme tu l'as dit, entre d'une part le maintien de l'ordre social et d'autre part le maintien d'un ordre légitimé par Dieu, en fait. Hein, les deux sont intimement liés. Et alors ça me permet de rebondir, puisque tu allais justement aborder alors la lutte contre l'Église. Alors je te laisse parler, parce que tu as certainement mille choses à dire. C'était fort éclairant ce que tu as dit sur ce qui se passe encore en plein cœur du XVIIIe siècle et dans les régions qui vont former la Belgique ultérieurement, hein, dans cette belle Fagne, je ne sais pas si elles appartiennent à l'Autriche ou bien si elles sont déjà de la principauté ecclésiastique. Non, le duché de Limbourg à l'époque, c'est dans la province de Liège, mais ça faisait partie des pays autrichiens. C'est ça, donc c'est bien l'Autriche avec un système qui... À l'époque, c'est Marie-Thérèse qui est duchesse de Limbourg. Eh bien, de l'autre côté de la frontière en France, dans le royaume de France, là, on voit une féodalité qui s'argoute. Et on n'est pas très loin, d'ailleurs. Hein. Qui se sclérose, qui refuse, hein, qui va refuser, d'ailleurs, obstinément tout changement. Quand Mélier meurt, c'est 1729, 60 ans avant la Révolution française. Et tu faisais bien de donner cet exemple, parce que ça permet d'insister sur un des éléments essentiels de la pensée de Mélier, la collusion entre l'Église et l'État. Il écrit, et c'est le fond de sa pensée, la religion, si fausse soit-elle, soutient le pouvoir politique, si méchant soit-il, et en retour, le pouvoir politique soutient la religion. Ça, c'est vraiment le fil rouge qui va motiver Mélier et qui l'a indiqué, si on a bien suivi ce que je disais dans cette petite anecdote, la seule qu'on connaît de sa vie en 1716, lorsqu'il intervient, hein, les archevêques sont de grands seigneurs, ils n'écoutent que la noblesse, il indique déjà cette collusion et ce qui va être le fond de son mémoire. Cela le mènera à développer des thèses de l'athéisme et de laisser voguer
à la destinée posthume, et il vaugra très mal ce mémoire que l'on retrouvera pourtant et qui est parvenu jusqu'à nous. Et dans le titre, il est indiqué que c'est destiné au peuple. Bien sûr, oui, oui. C'est ça qui est intéressant, parce que le mot peuple apparaît dans le titre. Hein, oui, 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 si on peut prendre, on peut voir, si je le retrouve là, parce que là, on me prend... au dépourvu. Ouais, au dépourvu, mais voilà, mais je prépare mes sujets, en général, quand j'interroge quelqu'un. Voilà. Oui, oui. Donc, je sais que tu prépares. C'est moi qui prépare. Voilà le titre de son mémoire, effectivement. Il l'indique clairement, parce qu'on le voit et on le retient. C'est étonnant, ce curé qui est le premier théoricien de l'athéisme, oui, mais il est le premier théoricien de l'athéisme parce qu'il est aussi un pourfendeur d'un système inégalitaire, d'un système politique que l'Église soutient. Et d'ailleurs, dans son titre, il a dit « c'est un mémoire de ses pensées et sentiments ». Les sentiments, c'est ce qu'on appelle à l'époque les points de vue, pensées, les points de vue sur une partie des erreurs et des abus de la conduite et du gouvernement des hommes. Hein. C'est ça qu'il indique en premier lieu. Et il indique où l'on voit alors dans ce mémoire des démonstrations claires et évidentes de la vanité, de la faussée de toutes les divinités, de toutes les religions du monde. Et il dit « pour être adressé à ses paroissiens après sa mort et pour leur servir de témoignage de vérité à eux et à tous leurs semblables ». En fait, Méliès va s'affirmer comme le premier théoricien de l'athéisme, et ce qui est remarquable, c'est qu'il sera un des plus profonds en même temps qu'il soit le premier, mais aussi qu'il a déjà une dimension que les athées du XVIIe, du XVIIIe, les libertins qu'on les appelle, ces athées qui ne s'adressaient qu'aux nantis, aux privilégiés, à l'élite, éduqué, Méliès, lui, il a cet avantage sur eux, il s'adresse au peuple et il combat la religion dans la perspective de la libération populaire. C'est donc un athéisme populaire auquel on a droit et que Méliès va léguer. Et alors il critique les prophéties, les miracles, tu pourrais nous parler un petit peu. Alors maintenant, si on va prendre l'essentiel de son mémoire, c'est l'homme d'une seule œuvre. On retrouve aussi à sa mort des annotations d'un livre qui va lui servir à construire sa démonstration matérialiste avant les penseurs des Lumières. C'est l'ouvrage de Fénelon, la démonstration de l'existence de Dieu, que Méliès va annoter, et donc en prenant le contre-pied des thèses que Fénelon défendait, va construire son matérialisme athée. On a retrouvé ces annotations marginales sur des ouvrages de Fénelon qui ont été recopiés dans le 18e siècle. On n'a pas retrouvé manuscrit autographe de ces annotations, mais elles ont circulé dans le 18e siècle. C'est l'homme d'un mémoire, c'est le mémoire en fait qui le fait connaître, un mémoire très peu diffusé dans le 18e, seulement dans les circuits clandestins, et il va être recopié plusieurs fois, et souvent en abrégé, et ça sera aussi ce qui contribuera à en faire, d'une part, une gloire, mais une gloire très ambiguë, parce que dans les abrégés, on réduit souvent Méliès à n'être qu'un de ces nombreux curés de l'époque qui ne croient pas. Or, Méliès, c'est bien plus que ça, c'est le théoricien de l'athéisme, du matérialisme, et on le verra bientôt, c'est le théoricien d'une pensée égalitaire, donc il s'inscrit dans la longue lignée du communisme, mais d'un penseur révolutionnaire également. On y reviendra là-dessus. C'est bien dans son mémoire. C'est ce que tu me demandais, ce qu'il avait. Oui, les prophéties, les miracles, mais alors il y a trois éléments aussi sur lesquels je voudrais t'interroger, toujours dans ce chapitre relatif ou à la remise en question de la constitution d'une science dite la théologie, c'est d'une part, qui est Dieu alors? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui croient en Dieu? Quelle est la part de la fiction ou de la réalité, et comment justifie-t-il l'une ou l'autre? La question de l'Eucharistie aussi, au moment où il y a la transsubstantiation, je dirais, où le vin et le pain se transforment en sang et corps du Christ, et d'autre part, la Trinité également. Voilà, mais on va y revenir, donc si vous me permettez de faire la structure de son mémoire. Oui, oui. Parce que on doit aussi la connaissance de Méliès, notamment, à un...
penseur, maître à penser, ou candidat maître à penser d'aujourd'hui, qui est Michel Onfray, hein, et qui a eu ce mérite énorme de mettre Méliès en évidence dans son traité d'athéologie. Il le considère comme le premier véritable athée. Ce n'est pas le premier véritable athée, mais au moins, il permet de faire connaître, du haut de sa notoriété médiatique, hein, ce curé si injustement méconnu. Et il lui dit notamment, il n'y a pas d'ordre dans son mémoire, il est très mal structuré, il est très structuré au contraire. Et là, ça aurait été bien de pouvoir le lire avant d'en parler. Pour y voir. C'est du Michel Onfray, ça. Oui, il a ce mérite d'avoir. Oui, oui, tout à fait. Mais enfin, oui, tout à fait. Pour le reste, on le laissera être ce qu'il est. Ce n'est pas l'objet. Non, non, il faut être l'objet d'un futur exposé. Non, mais c'est vrai que parfois on s'interroge sur le traitement des sources. Parce que je crois qu'il lit, comment dirais-je, très rapidement ou survole très rapidement les auteurs dont il traite. C'est quelques textes sur la Révolution française qui sont empreints de pensées réactionnaires profondes, où il ne voit que comme révolutionnaire que les grands bourgeois négociants d'affaires de la Gironde. Ben, je pense que la seule source qu'il ait jamais eue, c'est Michelet. Ben, laissons-le. Voilà, Méliès donc, est un mémoire très structuré, contrairement à ce que l'on a dit. Très structuré, en trois parties. Et la première, celle que tu évoques, c'est toutes les raisons de ne pas croire. Il s'adresse au peuple. Son athéisme est un athéisme populaire et donc il va débusquer la croyance dans la manière dont celle-ci s'exprime à l'époque. Ce n'est plus la croyance d'aujourd'hui, hein, à l'heure du développement personnel, du soft power, etc. Ce n'est plus cette croyance, ce n'est pas cette croyance-là à l'époque. On croyait en Dieu parce qu'il y avait des miracles, parce qu'il y avait des révélations et des prophéties. Méliès va s'attaquer à l'ensemble de cela, et c'est la première partie de son mémoire, la plus truculente également. J'y reviens tout de suite, mais il y aura deux autres parties. Une deuxième partie qui est comme coincée entre la première et la troisième et qui est relativement courte, mais qui est pourtant essentielle. Sa pensée politique, elle est essentielle parce qu'il reviendra dans la conclusion sur cette pensée politique et qui va en faire aussi un de ses personnalités dans l'histoire du monde des idées politiques. Mais la troisième partie, c'est la démonstration du matérialisme, la construction d'un matérialisme qu'il laisse en 1729, c'est-à-dire qu'il laisse 40 ans, plus de 40 ans, 41 ans avant le système de la nature d'Holbach, le premier véritable ouvrage de matérialisme. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette première partie? Cinq preuves, comme il dit. La première, et il va prendre toutes les religions, il y a trop de religions, s'il n'y a qu'un seul Dieu. Comme le disent les croyants qui défendent chacun leur Dieu à eux, alors là il y a une contradiction. Ils ne peuvent pas être tous vrais, donc par conséquent, s'il y a trop de dieux, dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais c'est un argument qui tombe à plat et qui n'est pas tenable. Première petite preuve qu'il avance, mais il va surtout maintenant rentrer dans la dénonciation des miracles, des révélations et puis des prophéties. Il s'amuse véritablement, il faut lire ce que Méliès, malheureusement, on en a les œuvres, mais qui ne sont plus, elles ne sont plus disponibles en librairie, les œuvres, ici c'est le premier tome, il y a trois tomes, hein, je vais bien montrer, en 1970. Voilà. 1970, par Roland Desnay, en trois années, hein, 70, 71, 72, j'ai pris ici le premier volume, on va le republier. Aux éditions Anthropos. Qui n'existe plus aux éditions Anthropos, mais on le retrouve en bibliothèque et on va, avec les éditions Aden, republier en 2020 cet énorme mémoire. En attendant, mais j'ai publié il y a déjà quelques années un livre Jean Méliès dans lequel je reprends une grande partie. Le sixième, si l'on peut dire, où j'ai dû synthétiser ce qu'il dit, et donc je reprends, on peut se retrouver là, toutes ces parties truculentes sur les miracles, la façon dont il s'amuse en tournant en ridicule le nombre de ces miracles et la manière dont on les présente tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. C'est
par les miracles que l'on croit en Dieu, mais tous ces prophètes et Jésus-Christ lui-même se sont préoccupés de mettre en garde contre les faux faiseurs de miracles. Alors, on ne s'y retrouve plus, Méliès, rit beaucoup. Je ne peux pas donner d'exemple, on a trop peu de temps là-dessus. Mais c'est donc bien aux éditions Aden, hein ? Et c'est aux éditions Aden. Les prophéties et les révélations. Les révélations, là, on a un Méliès, si je peux me permettre rapidement de faire cette allusion qui... Hein, début du 18e siècle, hein, on est bien avant la fin du 19e, début du 20e siècle, avec Freud et la psychanalyse des rêves. Hein, donc, Méliès met déjà le doigt sur un élément qui contredit la véracité de toute religion. Comment se fait-il que Dieu ne se manifeste aux prophètes qu'en rêve, que dans leurs rêves? Pourquoi ne se montre-t-il pas tel qu'il est, hein. Il s'amuse d'ailleurs, hein. Bon, on va parler, hein, du buisson ardent derrière lequel le dieu de Moïse se cache, et quand Moïse voudra demander de le voir, parce qu'on connaît cet épisode de la Bible, hein, parce que Moïse est bien aimable avec son dieu, il fait ce qu'il lui demande, mais à un certain moment il en a un peu marre d'aller de chaque fois chez Pharaon, hein, et de faire ce que Yahvé lui demande de faire. Il lui dit, mais toi qui es derrière le buisson, montre-toi que je sache un peu à quoi tu ressembles. Non, non, le dieu de Moïse ne veut pas, mais Méliès en rit beaucoup. Il lui dit quoi? Il lui dit, ah non, tu ne peux pas voir ma face, mais je vais passer devant toi, dit-il. Je vais, hein, te masquer les yeux, et quand je serai passé, tu pourras me voir, on traduit dans la Vulgate, par derrière, Méliès, lui va te dire, tu pourras voir mon derrière, hein, voilà, le cul de Dieu, il l'écrit, et puis il dira même le cul, on voit ton cul à Dieu. Donc il s'amuse beaucoup sur ces miracles, ces révélations, sur ces prophéties aussi, ces prophéties qui devraient se réaliser, qui ne se réalisent pas. C'est là les trois chapitres suivants. Le premier, toutes les religions sont fausses. Les trois suivantes, les trois preuves suivantes, les miracles ne tiennent pas debout, pas plus que les révélations, pas plus que les prophéties. Et puis la cinquième. La Trinité. Et la cinquième preuve, alors, c'est l'analyse là, de ce que Méliès va appeler les erreurs de doctrine et de morale. Erreur de doctrine. Il évoque la Trinité. Qu'est-ce que c'est la Trinité? Le christianisme se présente comme un monothéisme. Mais il y a pourtant, dans la doctrine chrétienne, trois personnes qui sont Dieu elle-même et qui le sont indépendamment. L'une de l'autre, il n'y a pas d'antécédence du Père sur le Fils et du Saint-Esprit. Ils sont ensemble au même moment, sans antécédent, sans relation de cause à effet, trois personnes qui sont trois dieux, et dit-il, trois ne peut pas faire un ne peut pas faire trois. En conséquence, on se retrouve là devant non pas un monothéisme, un trithéisme, hein, c'est ce qu'on peut dire. Mais dans le credo, il est quand même dit que et il procède du Père et du Fils. Procède, mais il n'est pas né, hein. La seule oui, procède d'accord. Du Père et du Fils. Ce sont toujours des jeux sur les mots pour l'Esprit Saint, de la même manière que le Fils procède du Père, hein, mais n'a pas été créé par le Père. Et Méliès, là, c'est peut-être intéressant de le signaler également, parce que dans sa façon d'être un précurseur de tant de choses, c'est aussi un précurseur du féminisme. On va bientôt le voir quand il va parler de la morale, et notamment de la morale sexuelle. Mais ici, Méliès pose la question, pourquoi un père et un fils et pas une mère ou une fille? Pourquoi dit-on que ce sont des personnages masculins, hein, ces dieux du christianisme, plutôt que des personnages féminins? Ça sera une constante chez Méliès, quand il abordera la conception des rapports entre sexes, de mettre systématiquement sur le même pied les hommes et les femmes. Donc il met en cause la société patriarcale, c'est ça? Et il le fait de cette manière, on peut le dire de cette manière. Alors, on va parler de sa critique étonnante, de la transsubstantiation. C'est quoi cette affaire? Mais c'est l'idée que le pain de l'hostie, la pâte faite de farine et d'eau, est en fait
transsubstancié, on a inventé un terme rien pour ça, transsubstancié en le véritable corps du Christ. Ce n'est plus de la farine et de l'eau quand on consomme l'hostie. Méliès va s'amuser aussi à démonter l'erreur de doctrine là-dessus. Il donne d'abord raison en fait aux chrétiens qui critiquent quoi, l'idolâtrie. Vous avez raison, dit-il, de critiquer ces idolâtres païens. Qu'est-ce qu'ils vénèrent comme des dieux? Ils vénèrent des statues. Des statues de marbre, parfois même de bois qui pourrit, c'est ridicule. Mais dit-il, que faites-vous, les chrétiens, les christicoles, comme ils les appellent, les cultivateurs de Dieu, que faites-vous sinon, vous-même, vénérer comme autant de Dieu, de frêles icônes de pâte et de farine, dit-il, qu'on cuit entre deux fers et qu'il faut mettre dans des boîtes, sinon le moindre coup de vent les fait s'envoler. Et puis les souris et les limaces en sont aussi très friandes. Donc, qu'est-ce que c'est que cette idolâtrie de l'hostie s'amuse? Question de morale maintenant, mais Méliès également met en évidence que la religion chrétienne va valoriser la souffrance. Et au contraire, elle va condamner le plaisir. Et il le dit très simplement, c'est l'avoir le bien dans le mal, et le mal dans le bien, il y a là une erreur de morale, et c'est là où il va aborder la question de la morale sexuelle, qui fait que quand on en parle, Michel Onfray notamment, en parle, il fait de lui un libertin. Méliès n'est pas un libertin. Le libertinage à l'époque, la façon dont on parle des athées, c'est la façon dont on parle des athées, mais de l'élite qui avait en commun le mépris du peuple. Et aujourd'hui, la définition de libertin n'a plus que cette connotation sexuelle, de liberté sexuelle. Si Méliès prône la liberté sexuelle, il le fait toujours dans l'intérêt de l'homme et de la femme, et il le fait aussi dans l'intérêt de l'enfant. Il parle de ces mauvais mariages qui doivent rester et dans lequel l'un comme l'autre conjoint, l'un ou l'autre des conjoints, va s'asphyxier, mais dans lequel les enfants seront particulièrement maltraités également. Il se prononce donc pour la dissolubilité des mariages, et ça sera aussi un des éléments qui fera la particularité de Méliès. Je voudrais revenir sur un des arguments qu'il avance concernant la transsubstantiation. J'ai bien compris ce que tu expliquais, que à ses yeux, il soutient dans un premier temps l'argument d'idolâtrie, qu'il dit qu'effectivement le pain est fait de farine, d'eau, etc., que les souris peuvent le manger, que ça peut s'envoler au moindre coup de vent, mais est-ce qu'il fait intervenir l'argument qui pourrait paraître scandaleux de la théophagie? Parce qu'à ce moment-là, ce qui se passe au moment où les fidèles mangent l'hostie, ils mangent Dieu. Est-ce qu'il fait intervenir l'argument de théophagie? Non, il ne le fait pas expressément. Mais on le sent poindre, dans sa façon dont il s'amuse à critiquer cette idolâtrie de l'hostie. Qu'est-ce que vous faites? Vous les mangez finalement. Et donc, oui, sans avoir utilisé le terme, c'est la suivante. C'est la critique. Donc, premier temps, critique de l'idolâtrie, et argument suivant, il aurait pu monter un cran plus haut en disant, mais vous ne vous rendez pas compte, vous mangez Dieu. On ne le retrouve pas. On ne le retrouve pas. Explicitement dit, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. La théophagie dont il s'agit. Il dit, on est là devant un acte caractérisé de théophagie, donc c'est un peu étonnant. Alors ce cinquième. Ah voilà, tu n'avais pas fini. Et puis alors, on va passer aux deux autres. Oui, matérialisme, je voulais t'en parler. Voilà. Tu nous as dit qu'effectivement, il ne faut pas confondre libertinisme, libertinage, que le libertinage, au sens où on l'entend actuellement, n'a rien à voir avec ce que l'on entend à l'époque, et qu'au sein même des libertins, il y a les libertins qui appartiennent à l'élite, et il y a d'autre part Méliès qui lui appartient à un autre groupe social, et qu'il s'adresse d'ailleurs à un autre groupe social. Donc en fait, les arguments que tu vas développer maintenant, ça situe pratiquement un demi-siècle avant le baron d'Holbach, et quelles sont au fond les sources? Est-ce que Méliès est quelqu'un qui lit beaucoup? Est-ce qu'il a des sources qui remontent à l'Antiquité? Je ne sais pas, moi on pourrait penser à la pensée épicurienne, on pourrait penser à Lucrèce,
hein, qui dans son De Natura Reum, de la nature des choses, ben, évoque déjà la théorie atomiste, hein, où est-ce qu'il se réfère à des auteurs plus récents? Si je te parle de ça, c'est parce que je pense à l'ouvrage qui a été publié par Pietro Redondi sur l'affaire Galilée, où il montre qu'en fait Galilée n'a pas été condamné, ben, pour ce que l'on sait, parce qu'il avait affirmé que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et pas l'inverse, hein, n'est pour et si mauvais, hein, mais parce que le procès qui lui aurait été fait à Galilée serait un procès lié à ses conceptions atomistes. Hein, donc je voulais savoir un petit peu quelles sont les sources de la pensée de Méliès. Est-ce qu'on les retrouve déjà? Est-ce qu'il lit les auteurs anciens? Je pense à Lucrèce, enfin on pourrait remonter donc la pensée épicurienne et même remonter à Démocrite. Ou bien est-ce que ce sont des auteurs qui datent du XVIe, du XVIIe siècle? Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ça? Oui, Méliès, très étonnamment, a une bibliothèque réduite. Hein. Oui. Il est un lecteur, mais là, un lecteur tout à fait pointilliste de la Bible, qu'il connaît sur le bout des ongles. Il s'amuse, oui, de toutes ces contradictions. C'est peut-être le premier, d'ailleurs, à mettre autant de contradictions. C'est le premier à mettre autant de contradictions bibliques en évidence. C'est le premier aussi à faire l'analyse synoptique des trois testaments de Matthieu, Marc et Luc, hein, que Griesbach, quelques dizaines d'années plus tard, au XVIIIe siècle, fera lui aussi l'analyse synoptique. Il fait donc cela, il connaît la Bible, il le connaît sur le bout des ongles, il en connaît l'argumentation, tous les aspects fallacieux, tous les aspects abracadabrants. Ça, c'est une de ses premières lectures et une des sources de la création de sa pensée et donc la critique de la religion. Mais il y en a d'autres. Et il y en a finalement très peu. Hein. Les auteurs grecs, ces matérialistes grecs, parce qu'on va bientôt parler de sa façon dont il construit le matérialisme, mais non. Il ne les a pas lus dans le texte. Il les connaît, il sait qu'ils ont existé et il sait quelques bribes de leur pensée, mais il le connaît à travers le dictionnaire de Moreri, il le connaît à travers Marana, que là il a lu également. Tiens, Moreri qui reprenait Moreri, en fait tous les grands hommes qui avaient mal parlé de Dieu. Hein. Donc là il y trouve des éléments pour nourrir sa pensée. Et Pierre Bayle, est-ce qu'il a lu par exemple Pierre Bayle? Bayle qui a longtemps vécu. Parce que son dictionnaire historique et critique est quand même un monument. Il date de 1694, voilà. Oui, si je me souviens. Eh bien, Bayle qui a vécu à 15 km des Tépénies, à Sedan. Oui, oui. Mais Méliès n'en parle pas. Il cite Spinoza et il dit que ça doit être un penseur athée, mais il n'en sait pas plus. Donc il ne connaît que de seconde main la plupart des auteurs qu'il va citer. Par contre, il est des auteurs qu'il a lus et toujours bien lus. C'est Montaigne, le judicieux Montaigne. Ce Montaigne de la deuxième moitié du XVIe siècle, hein, et ses essais, il les lit, il s'en délecte, il les cite régulièrement, il cite énormément ses sources. C'est pour ça qu'on peut savoir quel est l'auteur qu'il a lu et quels sont les auteurs qu'il a lus et ceux qu'il n'a pas lus. Il cite également dans la critique sociale La Bruyère. Hein. Il va citer aussi le Télémaque de Fénelon sans même savoir que c'était l'auteur de cette démonstration, ou bien sans feindre de savoir, on n'en sait rien, qu'il était l'auteur de la démonstration, du trône, hein. Ouais, la démonstration de l'existence de Dieu. Donc il a quelques textes, et dès qu'il y a quelque chose à se mettre sous les yeux, il les utilise et les surmobilise. Et Descartes, et puis, par exemple. Et puis, il y a les penseurs philosophiques à partir desquels il va construire son matérialisme. Ce sont lesquels? Ce sont deux penseurs cartésiens. Et là, il a lu les textes de ces penseurs cartésiens. Qui sont ces deux penseurs cartésiens? Fénelon, le cartésien chrétien Fénelon, et Malebranche, qui va développer ce qu'on appellera l'occasionalisme, hein, mais qui est aussi un cartésien chrétien. Donc, c'est à l'intérieur de l'héritage, à l'intérieur de l'héritage cartésien, deux penseurs qui vont utiliser le rationalisme cartésien pour tenter de prouver l'existence de Dieu. Et Méliès va construire son matérialisme et son athéisme radical à partir de la critique de Malebranche
et de Fénelon qui lit méticuleusement, et tu me disais Descartes, hein, parce que le cartésianisme est très important dans la construction de la pensée de Méliès, au point même où Jean de Preun, qui a participé à la publication avec Roland Desnay des œuvres complètes en 1970, écrira que c'est un cartésien d'extrême gauche. Qu'est-ce que ça veut dire, cartésianisme d'extrême gauche? Ça ne veut rien dire. Ou bien on est cartésien, ou bien on ne l'est pas. Méliès, lui, va être fortement marqué par la méthode cartésienne, par le rationalisme. Il en utilisera quelquefois les termes. Mais Méliès n'a pas lu Descartes. Ah, il n'a pas lu. Et étonnamment, il connaît Descartes à travers Malebranche et à travers Fénelon. Et il en connaît l'essentiel. Mais la façon dont on l'a récupéré, le sens chrétien. Et Méliès n'est pas un cartésien. Il utilise, il n'est qu'un curé de village, il n'a pas de formation philosophique, il n'a pas vocation à être philosophe. Il utilise la terminologie cartésienne, oui. Mais il va bien au-delà de Descartes, il va démolir d'une certaine manière le cartésianisme. Ce n'est pas un cartésien même d'extrême gauche, c'est quelqu'un qui a brisé le dualisme cartésien. Si on peut permettre rapidement, on va résumer Descartes. Vas-y, oui. On va essayer 20 secondes. Allez, Descartes. Tu appelles plus. Je préfère que tu prennes un peu plus de temps et que ce soit clair, parce que la notion de clarté est au cœur de la pensée Descartes, comme tu sais, hein, des pensées claires et évidentes. Et voilà, pourtant, lire Descartes, le discours de la méthode, et lire ses méditations, ce n'est pas rien, il faut s'accrocher. Hein, mais bon, allez, 20 secondes, 30 secondes, et très pédagogiquement. Descartes est le premier au milieu du XVIIe siècle qui va partir en guerre contre la pensée religieuse scolastique. C'est là son énorme mérite. Il veut développer la rationalité. Mais pour ce faire, il va réduire l'explication rationnelle à un monde qui est un monde matériel concret. Un monde, comme il le dit, étendu. Parce qu'il y a une autre chose, une autre res, que l'extensa, une autre chose que l'étendue, il y a la res cogitans, il y a la chose pensante. Et cette chose pensante, c'est l'âme. Et l'âme, il la laisse à Dieu. Donc, d'une certaine manière, pour résumer Descartes de façon très pédagogique, c'est son bras gauche qui est tendu vers la rationalité, mais c'est son pied droit qui est vissé dans la pensée conservatrice, parce qu'avec la rationalité, Descartes va prétendre prouver l'existence de Dieu. Et on retrouve chez lui quatre preuves de l'existence rationnelle, de l'existence de Dieu qu'il va évoquer. Méliès va partir en guerre contre cette conception et cette utilisation de la rationalité pour prouver Dieu. Il va tenter de débusquer Dieu de son dernier retranchement où Descartes l'en avait si aimablement, si bénévolement préservé. Méliès va l'en débusquer et il va ainsi construire un véritable matériel. Il le fait, je l'ai dit, à partir de penseurs cartésiens chrétiens. Ces deux penseurs qu'il a lus, qu'il a épluchés, on le voit d'ailleurs dans ses notes marginales sur le texte de Fénelon, la démonstration de l'existence, le traité de Fénelon, on le voit. Dans ses notes marginales, il construit son matérialisme et contre Malebranche. Là, Fénelon, la démonstration de l'existence et le traité de la vérité. Est-ce qu'il parle d'atomes ou l'équivalent? On retrouve, voilà. Alors, on va parler de son matérialisme. Effectivement, le matérialisme de Méliès, ça sera la troisième partie de son mémoire. Elle fait, quand on l'édite, quelques 500 pages. Ce n'est pas rien, son traité de matérialisme. Partant de Fénelon et ensuite de Malebranche, il va, dans cette dernière partie de son mémoire, il va prendre le contre-pied de, d'abord, ce que Fénelon va écrire. La démonstration de l'existence de Dieu commence par cette parole: « Je ne peux ouvrir les yeux sans voir la main, sous-entendu la main de Dieu, qui fait tout. » Méliès, lui, va répondre: « La moindre petite imperfection dans la nature prouve plus que Dieu n'est pas, que toutes les beautés ne pourraient
montrer qu'il existe. Hein. Donc on voit là une pensée qui s'inscrit vraiment en contre-pied de toute cette pensée cartésienne mobilisée au secours de la construction des dieux. Quelle va être la nature de son matériel? Il va partir d'une façon logique et tenter d'expliquer logiquement que le monde peut s'expliquer par lui-même, qu'il est en conséquence incréé, il n'a pas pu être créé. La matière est incréée, elle a d'elle-même son propre mouvement qui explique ces différentes configurations dans lesquelles elle finira par rentrer. On ne peut pas évoquer une cause qui serait immatérielle, non matérielle, à l'origine de la matière. Comment expliquer que rien de matière ait créé la matière? Avec quoi alors? Il y a là une impossibilité, un blocage total de l'explication. Mais Lié conçoit qu'il est extrêmement compliqué d'imaginer que la matière ait toujours existé. Mais il est infiniment plus compliqué encore de tenir le point de vue inverse, que rien de matière aurait créé la matière. Et il refait la même démonstration pour le temps, par exemple. Au fond, il a une démarche qui est très proche, je ne sais pas s'il est dans sa filiation, mais d'Épicure, parce que Épicure ne dit pas autre chose. Épicure qui s'inscrit dans la lignée de Démocrite, hein, qui est l'inventeur de l'atomisme, parce que pour Épicure, à l'inverse de Descartes, justement, pour Épicure, l'âme n'est même pas localisable, puisque l'âme est le corps, elle est dans le... Alors que pour Descartes, il y a le corps et il y a l'âme, on est vraiment dans un dualisme idéaliste, hein, avec cette petite glande spinéale qui est censée faire le lien entre l'âme et le corps, voilà. Tandis que Épicure dit, mais non, oui, ça se rapproche d'ailleurs de Spinoza qui a peut-être pris des pincettes pour le dire, mais le Deus sive natura de Spinoza, c'est Dieu et la nature. On peut aussi se poser la question si ce n'est pas une manière subtile voilà, de faire passer les choses. Mais enfin, Spinoza, en 1656, il a été excommunié de la synagogue d'Amsterdam. Et il y a toujours là, voilà, on prend des auteurs qui défendent l'athéisme ou qui vont vers l'athéisme, cette prudence, parce que les sanctions, les punitions, les châtiments de l'Ancien Régime et de l'Église sont terribles. Hein, on en connaît tous la délicatesse, hein, et ça termine par le bûcher dans lequel on brûle encore, au XVIIIe siècle, on brûle encore des curés apostats au temps de Méliès, au début du XVIIIe siècle. Mais plus en chevalier là. Puis en France. En France, encore, au début du XVIIIe, une attestation d'un curé apostat qui a été brûlé. Et puis le chevalier de la Barre, c'est quand? C'est dans les années 1760, là. On est presque 40 ans après la mort de Méliès. Pour bien moins que ça, refuser de se décoiffer devant une procession, le chevalier de la Barre est brûlé, hein, également. Hein, donc il faut tenir compte de ça. Les penseurs athées évitent, hein, de le mentionner. Qu'est-ce qui fait la force de Méliès? Il va écrire de façon posthume. Et il va révéler sa pensée une fois qu'il sera décédé. C'est à ce moment-là que son mémoire qu'il a copié et recopié pourra être diffusé. C'est ce qui fait sa force. Alors pour revenir sur sa question du matérialisme, c'est la troisième partie, parce qu'il faudrait aussi parler de la deuxième, rappelée dans la conclusion, qui est enfin un penseur colossal, capital dans l'histoire de la pensée politique. En termes de matérialisme, oui, contre Descartes. Et là, contre Descartes, ben, il va montrer que la matière peut se débrouiller très bien elle-même, que le temps, je disais, ne peut pas être créé, et il le fait de façon très logique, de façon déductive. Si le temps a été créé, il faut un moment où il a été créé, mais s'il y a un moment, il y a déjà du temps qui préexiste à ce moment, etc. Alors, tu me parlais de l'atomisme, oui, mais Lié l'évoque, il a lu ce que les Grecs, les matérialistes grecs, Démocrite et surtout Épicure font dire, Épicure qui introduit la possibilité du changement et du mouvement, hein, avec le clinamen, avec le hasard qu'il introduit là-dedans. Mais Lié connaît cela, même s'il n'a pas lu ses penseurs, il sait que, et on voit qu'il hésite entre une démonstration qui est faite d'une matière cartésienne qu'il va critiquer et d'une matière atomique bien plus sérieuse et auquel il accorde plus de crédit. Il accorde plus de crédit parce que dans la toute dernière preuve de son mémoire, la huitième, la deuxième partie de sa dernière partie matérialiste, donc de son mémoire, Méliès là va s'en prendre, en prenant là Malebranche tout particulièrement, et son occasionnalisme, Malebranche qui d'une certaine manière est un cartésien qui pousse la logique cartésienne jusqu'à son terme,
Méliès va s'en prendre à cette idée que la matière doit être une matière cartésienne, c'est-à-dire une matière par définition étendue, comme il dit, une matière qui peut être, qui doit être nécessairement ou bien ronde ou bien carrée et découpable en morceaux. Non, dit-il, la matière peut être autre chose qu'une matière ronde, carrée, découpable en morceaux. Il peut y avoir de la matière qui n'est pas détendue. Et c'est quoi ça? Les sensations, les sentiments, la pensée, la parole, ce sont là des éléments de matière. Les sentiments sont matière. C'est pas compréhensible. Eh bien, je vais l'expliquer. C'est en fait la matière qui pense et qui sent. Mais je ne suis pas plus compréhensible. Eh bien, je vais l'expliquer. C'est l'homme, dit-il. L'homme et l'animal, ajoute-t-il, composé de matière qui pense et qui sent. Voilà ce que sont pensée et sensation. Ce n'est rien d'autre que de la matière qui, confrontée à des transformations, se sublime elle-même en la matière, dit-il, la plus raffinée, qui n'a ni étendue. Là, il a cassé l'idée, l'équation de la matière cartésienne avec l'étendue. Et si tu me permets, j'ai dit les hommes et les animaux, parce que Méliès, j'ai dit, il est précurseur en tant de choses, du matérialisme, de l'athéisme, on verra bientôt en matière politique en quoi il est un précurseur, j'ai dit aussi du féminisme, mais ici, dans la question qui est celle du spécisme, comme on dit aujourd'hui, la question de la défense de la cause animale, Méliès s'inscrit totalement dans la lignée de Montaigne contre la conception relativement barbare, il faut le dire, de Descartes des animaux-machines. Les animaux, eux, ils pensent, ils sentent et ils communiquent entre eux. Ils ont une parole comme les hommes, va dire Méliès. Et ça ne sera pas alors qu'il combat pied à pied les thèses cartésiennes pour construire son matérialisme, pour casser ce dualisme cartésien qui est tiraillé entre du rationalisme matérialiste et de la pensée religieuse idéaliste. Lorsqu'il construit son matérialisme, un des arguments sera la question des animaux. Pour Descartes, les animaux ne peuvent pas sentir, ils ne peuvent pas avoir de pensée, ils ne vivent pas. Ce sont des machines. Ce sont des machines, oui. Mais il n'est pas en guerre contre cette conception qu'il considère comme barbare. Et c'est peut-être l'argument le moins philosophique, mais le plus truculent qu'il va évoquer. Il finit par convoquer les philosophes devant le tribunal de ces paysans. Venez, monsieur le cartésien, venez dire à mes paysans que leurs bêtes ne sentent pas, que leurs bêtes ne communiquent pas ensemble. Et vous verrez comment ils se moqueront de vous. Les animaux comme les hommes ont pensée et parole, dit-il. Et il a une formule superbe que je vais signaler ici, je le dis en substance, mais je pense presque textuellement. Les animaux ont un langage, et celui-ci est bien moins fourbe que celui des hommes, il est bien plus vrai. Voilà ce que dit Méliès des animaux. Construction d'un matérialisme en prenant à la fois Descartes comme tremplin, on l'a vu, mais aussi comme repoussoir. C'est en allant au-delà, Méliès est le premier à faire ce que le XVIIIe siècle matérialiste français va faire, briser le dualisme cartésien. C'est à Méliès, si peu connu dans le XVIIIe, que ce mérite revient. Voilà pour ce qui est de sa pensée matérialiste. Il y aurait encore tant de choses à dire. Oui. Mais je voudrais te poser une petite question avant de relancer notre discussion sur les aspects politiques. Au fond, puisque Voltaire a contribué à faire connaître un petit peu quand même Méliès, un petit peu, tu vas peut-être en dire un mot aussi, mais il ne faut pas partir très longtemps dans ces deux voies. Mais donc, Méliès n'est pas un inconnu total. Est-ce que, au fond, au moment où il rédige sa thèse doctorat, Karl Marx évoque ou pas Méliès? Parce que quand même, la thèse doctorat de Marx porte, tu le sais mieux que moi, sur les penseurs matérialistes grecs. Sur les matérialistes grecs, ça porte sur Démocrite, Épicure et même Lucrèce, au fur et à part. Donc en fait, Méliès dans cette ligne-là, est-ce qu'il le cite ou pas? Ou c'est un sujet, bon, tu ne pouvais pas tout aborder, évidemment. Non, il faudra une deuxième émission pour parler d'accord, de ça, voilà. Mais rapidement, parce que c'est quand même important, cette thèse de Marx.
Parce que c'est quand même le point de départ de toute la suite que l'on connaît. Il faudra bientôt conclure, et là ça me permet voilà. Voltaire et puis Marx. Voltaire a connu dans le XVIIIe siècle Méliès, mais Voltaire c'est tout l'inverse de Méliès. Méliès est athée, Voltaire est déiste, Méliès est matérialiste, Voltaire ne l'est pas. Et puis on va le voir bientôt, Méliès est un penseur qui prône la révolution, c'est la dernière chose hein, que Voltaire pourrait prôner. Et d'ailleurs, Méliès va situer comme seul en son siècle là-dessus. Et il rencontre Méliès, le texte de Méliès, il rencontre des abrégés, et il va le publier 1762. Voltaire fait un abrégé. C'est encore ce texte qui circule souvent sous la forme Le Testament du curé Méliès, et qui n'est pas de Méliès. Si, il y a comme base une quarantaine de pages qui sont de Méliès, retranscrites dans un style beaucoup plus lissé, beaucoup plus voltairien, mais ce sont les 40 pages dans lesquelles Méliès se gausse, littéralement rit des contradictions de la pensée chrétienne, miracle, révélation et prophétie. Voltaire ne retient que cela. Il laisse tomber toute la démonstration matérialiste et puis il laissera tomber toute la pensée sociale et politique de Méliès. Méliès sera donc connu dans le 18e uniquement à partir de là. Et Engels et Marx. Oui, voilà. Engels et Marx, ceux qui rassembleront sur, dans une seule pensée, à la fois le matérialisme et la pensée révolutionnaire communiste, Engels et Marx ne connaissaient pas. Mais c'est ça. Il ne le cite jamais et il l'aurait cité s'il l'avait connu. Or, en 1864, pour le bicentenaire de la naissance de Méliès, un Hollandais va publier un texte, le mémoire entier de Méliès. Ce n'est malheureusement pas le texte autographe de Méliès, mais c'est celui très complet d'un copiste. Mais il sera diffusé à quelques dizaines d'exemplaires seulement, et ni Engels ni Marx n'en auront connaissance. Hein. Alors, je disais, Marx était très préoccupé par la fondation de l'Association internationale des travailleurs. Oui, en 64. Mais il était fort intéressé. C'est la vie même. Il était fort intéressé également par toute la pensée matérialiste française. Oui, oui. Il aurait connu Méliès, évidemment, il aurait mis en évidence au moins autant, bien plus encore, qu'il ne l'a fait pour Holbach, qu'il l'a fait pour Diderot et pour la maîtrise des matérialistes français. Voilà ce qu'il en est. Je disais, il est publié, mais très peu connu en 1864, mais tout le 19e siècle, ignorera Méliès. Et c'est à partir d'un manuscrit non autographe. Comment sait-on? Comment a-t-on pu publier ces œuvres complètes de Méliès, tout ce mémoire complet, hein, en 1970-72? Hein, et que nous allons republier en 2020 aux éditions Aden, hein, ce sera là que nous allons les republier. Comment parce qu'il y a 3 manuscrits autographes qui sont conservés à la Bibliothèque nationale à Paris, et que l'on peut d'ailleurs toujours consulter dans le vieux fonds des manuscrits français. Voilà pour ça. Alors c'est encore rue de Richelieu, c'est pas... C'est rue Richelieu, c'est voilà. Pas la bibliothèque c'est François Mitterrand. Non, c'est pas la grande bibliothèque Mitterrand, non. C'est la bibliothèque Richelieu, comme tu le dis, à Paris même. Alors maintenant, puisque tu as parlé d'Engels et de Marx, hein, ils n'ont pas connu Méliès, mais Méliès, hein, il aurait évidemment été très enthousiasmé. N'est-ce pas seulement un matérialiste et un athée, Méliès? C'est aussi un penseur communiste. Un penseur communiste comme il y en a tant dans l'histoire. Et depuis 2 siècles, depuis Thomas More, le premier au début du XVIe siècle, a développé une conception de société sans classe et sans propriété privée. Méliès s'inscrit dans cette tradition-là, qui va être encore nourrie par tant de penseurs hein, au siècle suivant, dans le XVIIe avec Tommaso Campanella, et puis dans le XVIIIe à son époque, plein de penseurs. Mais tous ont en commun d'imaginer cette société sans classe, sans propriété privée, comme irréalisable, comme un souhait qui n'existerait qu'à travers la pensée, qu'à travers le rêve, sans donner aucunement les moyens de la réaliser. Alors, Méliès, ce début du XVIIIe siècle, qui se clôturera par la grande révolution, la Révolution française,
celle que l'on voit si souvent comme annoncée par les penseurs des Lumières, alors qu'aucun d'entre eux n'était révolutionnaire. Méliès s'inscrit dans la perspective d'une société égalitaire, sans classe, sans propriété privée, où l'on se partage les choses en commun, où on travaille en commun. Et il le fait non pas à travers le rêve et l'imagination utopique, mais il a pour cela, et c'est en cela qu'il est, à un moment de l'histoire de la pensée politique, au moins autant que la pensée philosophique. Pensée philosophique, le premier à établir une conception moderne du matérialisme. Et dans la pensée politique, ce penseur, ce petit curé de village si peu connu, il va innover. C'est le seul penseur révolutionnaire en France avant la Révolution. Aucun autre, aucun penseur des Lumières. Et avant Babeuf, donc. Avant Babeuf, qui lui est postérieur à la Révolution. Avant... Et parallèle à la Révolution, sa conjuration communiste, sa conjuration des égaux, hein, c'est quelques années après les grands événements révolutionnaires. Ah oui, oui, ça je suis d'accord, hein, 1797. Et il est le premier, avant, ces révolutionnaires que sont Jean-Paul Marat, Robespierre, Saint-Just, aucun d'eux n'était révolutionnaire avant la Révolution, ils le deviennent à la faveur de la Révolution. Si Marat, dans les chaînes de l'esclavage, 15 ans avant la Révolution, en 1774, Marat a une seule phrase. Les libertés publiques ne peuvent venir que des séditions populaires, donc des révolutions. C'est la seule phrase où on peut dire, tiens, il y a une pensée sur la Révolution dans ce 18e. Mais un projet révolutionnaire, et plus qu'un projet, un programme révolutionnaire, c'est dans Méliès que l'on va le trouver. Dans la finale de son mémoire, dans la conclusion, il rassemble sa pensée politique et là, il va énoncer son programme révolutionnaire. Et son programme révolutionnaire, il passe par tant de principes hein, que je vais ici... Et c'est peut-être la manière de conclure. Oui, hein, avant de montrer quelques livres. Ce sera peut-être la manière de conclure que je vais ici tenter de résumer dans l'ouvrage dans lequel je présente son texte. Je m'y appesantis à un moment. Qu'est-ce qu'on retrouve? L'idée de l'union des peuples. Dans cette formule, je l'ai mis en frontispice, on ne sait pas mettre d'illustration de Méliès, puisqu'on ne sait pas à quoi il ressemble, en frontispice de ce livre. Une formule qui semble comme répercutée par une autre célèbre au cœur du monde industriel. Et c'est laquelle ? Unissez-vous donc, peuple, secouez entièrement le joug de ceux qui vous oppriment. Auquel ça rappelle autre chose. Voilà, cette formule célèbre hein, de 1848, hein, énoncée par Engels et Marx. De tout pays, unissez-vous. Unissez-vous hein. Et l'union des damnés de la terre. Le renversement de l'oppression politique et religieuse, l'internationalisme des masses asservies, on retrouve ça chez Méliès, l'organisation clandestine forcément de la révolution, la propagation de la conscience révolutionnaire dans les masses à travers d'ouvrages comme celui qu'il a écrit, ceux qui démontent, qui déconstruisent, qui abattent l'idée religieuse, qui soutient le pouvoir injuste. Et puis on trouve même la transformation de la guerre des nations en guerre des classes. Deux siècles avant la Première Guerre mondiale, deux siècles avant les bolcheviques et Lénine qui énonçaient le défaitisme, qui prenaient le défaitisme révolutionnaire, l'idée de transformer la guerre des nations en guerre des classes se trouve déjà chez Méliès. Il l'écrit textuellement, il s'agit de combattre les uns, au lieu de combattre les uns contre les autres pour le choix des tyrans, il faut se joindre tous ensemble pour les détruire. L'idée de la grève générale révolutionnaire, ça se trouve dans Méliès. Il faut retenir par vos mains toutes les richesses que vous produisez. Il faut abandonner entièrement le service de la noblesse. Il faut les priver de ce sucre abondant qu'ils tirent, eux, par vos mains. Et qu'est-ce qu'ils prônent ? Ils prônent. Non, Méliès n'est pas un libertaire, il n'est pas un anarchiste, comme Onfray aime, par exemple, à le dire, dans cet énorme mérite de l'avoir rendu public. Hein, il en fait un libertin, il n'est pas un libertin, il ne l'est pas, non,
mais liée à une pensée politique qui inclut l'État. Il se prononce pour l'instauration, je le cite, l'instauration d'une sage autorité publique. Fin de citation. Je cite à nouveau, il s'agit d'établir des bons, des sages, des prudents magistrats, c'est-à-dire prudents dirigeants. Fin de citation. Mais Mélié ne se prononce pas contre tout l'État. Il se prononce contre un État qui soutient les puissants. Mais il se prononce, au contraire, pour le renversement de cet état des puissants et l'instauration d'une autorité publique derrière ces sages et prudents magistrats qui défendraient la cause des opprimés. Et pour celui qui n'aurait pas compris, il va même avancer une idée qui fait frémir aujourd'hui. Et que dans l'histoire du communisme, on aime souvent à mettre sur le côté l'idée de la dictature. Prolétariat. Pas de prolétariat à l'époque de Méliès, ce sont des paysans. Mais l'idée de la dictature des opprimés sur les oppresseurs se trouve chez Méliès. Il s'agit, écrit-il, je cite, de rendre esclaves vos tyrans même. Fin de citation. Et pour celui d'excommunier entièrement les puissants de votre société, écrit-il. Et pour celui qui n'aurait pas compris, il l'a explicitement écrit, je cite, qu'il s'agit d'opprimer. Tous les oppresseurs, fin de citation. Il s'agit d'établir aussi et de maintenir la liberté publique, d'exclure les religions et les cultes. Il s'agit de mettre en commun le travail, de le partager en commun, de mettre en commun les richesses, de partager en commun les richesses. Et puis, il s'agit également d'une éducation qui doit se faire en commun des enfants pour éliminer les inégalités de famille. Méliès ne se prononce pas pour la dissolution de la famille, pour la dissolution de la dissolubilité du mariage, oui, mais pas de la famille. Par contre, il prône l'éducation en commun des enfants. Et quand il lance, donc on l'a dit, ce mot d'ordre, unissez-vous donc peuple si vous êtes sage, mais il résonne aujourd'hui avec cette étrange modernité comme répercutée par celui célèbre au cœur du monde industriel, Engels et Marx Moulinsté, à la fin de ce manifeste communiste. Voilà donc ce qu'était, et on va terminer là-dessus si tu veux bien présenter les quelques livres, ce qu'était ce petit curé de village, le curé Jean Méliès, M-E-S-L-I-E-R, un penseur injustement méconnu en regard de la place novatrice, révolutionnaire, qu'il occupe dans l'histoire des idées. Je résume, il est le premier penseur à développer à ce point, de la façon la plus complète, la critique du christianisme et à aller jusque l'athéisme. Cet athéisme, il le construit en développant la première pensée matérialiste moderne que les penseurs des Lumières, après lui, Lamettrie, mais surtout Holbach et Diderot construiront. Et il est aussi, s'il s'inscrit dans la lignée de ces penseurs communistes, le premier à ne pas le voir comme la résultante d'une imagination utopique, mais à le voir comme la résultante d'une action pratique pour laquelle il a un projet, un programme de révolution et d'une révolution qui doit passer par l'action des masses pour renverser l'État et construire un État des opprimés, hein, au lieu de cet État des oppresseurs. On est là. En 1729, quand il s'éteint et va laisser voguer son mémoire, 60 ans avant cette grande révolution qui va débuter en 1789 et qui ne sera pas l'impossible révolution paysanne, mais qui sera cette révolution qu'il prônait et qui devait abattre l'ordre féodal inégalitaire. Seulement, en lieu et place de cette société égalitaire et communiste, c'est une autre société d'inégalité qui l'a suivi, cette révolution, et qui fait qu'aujourd'hui encore, Méliès peut paraître si novateur, si actuel aussi. Merci beaucoup. Je voudrais me permettre de te poser encore deux petites questions, mais très brèves, tu sais. La première, c'est quelle place occupe Don Deschamps, je ne sais pas, au XVIIIe siècle. Tu as parlé de Dolbach, tu as parlé d'autres auteurs, je ne sais pas si tu as parlé d'Hydrault ou d'autres athées à cette époque-là. C'est les rares athées, hein, Holbach, voilà, et Hydrault, hein. Voilà, c'est ça. Don Deschamps, parce que c'est quand même Don Deschamps, c'est pas par hasard. Voilà, c'est pour ça que je te pose la question. Don Deschamps, il se situe où par rapport à Méliès? Oui, c'est sans doute pas un révolutionnaire, enfin je ne sais pas, c'est à toi de l'expliquer, mais enfin c'est aussi quelqu'un qui est quand même de la même mouvance, si je puis dire. Et autre chose, je voulais te... c'est bien chez Méliès quand même,
où se trouve cette fameuse phrase que tu n'as pas citée à propos des tripes. Voilà. Totalement. Voilà. Est-ce que tu pourrais la citer parce que ça vous l'appelle. On ne va pas fatiguer. Non, mais c'est une phrase courte. Hein, c'est une phrase courte. Hein. Je la citerai. Mais alors, le don des champs, rapidement, parce que là on pourrait refaire. Vas-y, mais rapidement. C'est tout autre chose. Don des champs est un athée. Ouais. Oui. Don des champs est un penseur communiste. Oui. Il a une utopie communiste, mais elle est à ce point réactionnaire. Elle vise à éliminer tous les éléments de la modernité pour tenter une idée de réunion de l'humanité qui ne serait plus distinguée qu'à travers ces deux sexes masculins et féminins, tous les hommes finissant par se ressembler, toutes les femmes finissant par se ressembler. C'est une utopie la plus réactionnaire. Il y a souvent des aspects réactionnaires. Dans des champs plein cœur du XVIIIe siècle, après Méliès, s'il est athée, s'il développe une conception communiste, s'inscrit totalement en faux dans cet ancrage de Méliès dans le mouvement populaire pour transformer la société. C'est un fief et réactionnaire que ce qui s'oppose à la pensée. Je m'excuse, t'énerver un petit peu à la fin de ton exposé, mais vas-y. Parce que c'est vrai que c'est une des paroles par lesquelles on le connaît surtout et qui aura une certaine notoriété sans même que l'on sache qu'elle venait de Méliès. Voilà. À un certain moment, Méliès écrit, c'est dans l'introduction, de son mémoire, je ne parviendrai plus, je pense, à la retrouver. J'aurais dû mieux préparer ça et mettre mes petits billets, mais voilà, le chapitre 2, c'est là-bas qu'on va retrouver cette idée. Voilà, cette formulation dans laquelle il parlait de l'idée de pendre les nobles avec des boyaux de prêtres. Voilà la situation exacte que j'ai retrouvée. Il le fait passer comme étant celle d'un homme de bon sens et de culture populaire. Il me souvient à ce sujet d'un souhait que faisait autrefois un homme qui n'avait ni connaissance ni études, mais qui, selon les apparences, ne manquait pas de bon sens pour juger sainement de tous ces détestables abus, de toutes ces détestables tyrannies que je blâme ici. Il paraît par son souhait et par sa manière d'exprimer sa pensée qu'il voyait assez loin, qu'il pénétrait assez avant dans ce détestable mystère d'iniquité. Il souhaitait que tous les grands de la terre et que tous les nobles fussent pendus et étranglés avec des boyaux de prêtres. Et il ajoute, cette expression ne doit pas manquer de paraître rude, grossière et choquante. Mais il faut avouer qu'elle est franche et naïve. Elle est courte, mais elle est expressive, puisqu'elle exprime assez en peu de mots toutes ces sortes, tout ce que ces sortes de gens-là méritent. L'être. Voilà ce qui a, ce que souvent on retient de Méliès, on le retrouvera en mai 68 sous la formulation des capitalistes qui doivent être pendus avec les boyaux de bureaucrates. Hein. On le retrouvera aussi. Et peut-être à travers Pouchkine, quand on conteste sa paternité de ce texte, d'une phrase de Pouchkine dans laquelle il évoque l'idée qu'il s'agit de pendre le dernier, non pas des rois, mais des nobles, mais des tsars, avec les boyaux du dernier des popes. Ouais. Voilà, comme ça. Voilà. Je te remercie infiniment. Alors, je vais te demander maintenant de présenter les ouvrages que je tiens en main. Donc ici, Jean Méliès, curé d'Étrépigny, athée révolutionnaire. Donc, il y a trois auteurs. Donc, Yvon Ancelin, Serge de Ruel, donc toi-même. Marc Genin, préface de Roland Desnay. Publié par la Société d'Histoire des Ardennes. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est un ouvrage de l'Association des Amis de Jean Méliès. Ça existe, allez voir sur Internet. Cette Association des Amis de Jean Méliès a sa page. On tape Jean Méliès, c'est souvent référencé jusqu'après Wikipédia comme premier site. Elle a sa page Facebook également, n'hésitez pas à aller voir la page des amis de l'association de Jean Méliès qui a publié donc cet ouvrage sur le curé Méliès auquel j'ai eu l'honneur de participer. Alors ici il y a encore deux livres même beaucoup plus fins. Alors le premier s'intitule Jean Méliès, athée, profession curé.
Alors, c'est édité par les éditions Libertaires dans la collection Théâtre. Eh bien, c'est en fait une pièce de théâtre de la compagnie d'Angers, de Bernard Froutin, qui l'a écrit, la première pièce en français sur Jean Mailly. Il en existe une en allemand, il en existe une en anglais également. Comme quoi, c'est un solide personnage de théâtre, ce curé Mailly, s'il est trop peu connu, il commence à l'être dans l'histoire des idées. Eh bien, cette première pièce, un dialogue à partir de où intervient Jean Mailly par cette compagnie ATETC d'Angers, et puis une deuxième pièce. Alors, elle s'intitule donc, ce deuxième livre s'intitule La bonne parole du curé Mailly, adaptation du mémoire de Jean Mailly en un monologue théâtral, texte de Jean-François Jacobs, préface de Serge de Ruette aux éditions Aden. Eh bien voilà, j'avais également fait la préface de cette première pièce de théâtre, remarquable dialogue. Ici on a un remarquable monologue. C'est une pièce de théâtre qui a été jouée l'année passée, ou bien l'année d'avant, en 2017. Et c'est Alexandre von Sivers himself, lui-même, joue le rôle de Mailly, une grosseur de spectacle remarquablement, dans lequel Mailly est remarquablement représenté par Alexandre von Sivers. C'est une pièce de théâtre que aujourd'hui on voudrait, pour l'été 2019, pouvoir présenter à Avignon. Ça serait une formidable vitrine pour que cette pièce puisse être connue, et derrière elle, de la même manière que la première pièce française, puisse être connue. Alors pour ce texte monologue, comme c'est une compagnie belge, un théâtre belge qu'il avait produit, mais que par les vicissitudes de la politique culturelle de la communauté française de Belgique, la ministre en charge des subsidiations a préféré retirer, et je pense qu'il y a quelques motivations politiques et idéologiques là-dessus, retirer cette subsidiation à ce théâtre, eh bien, on voudrait mettre cette pièce à Avignon, et on le propose un crowdfunding actuellement. On peut toujours y participer pour pouvoir mettre cette pièce, elle y sera. Donc à Avignon. Et puis il y a, ça tu voulais le présenter également. Non, on a montré. On l'a montré, mais c'est l'ouvrage que j'avais consacré. On a déjà montré les deux autres. On peut le montrer, ça ne me dérange pas. Mais c'est l'ouvrage que j'avais consacré qui rassemble, disons, le sixième de cet énorme mémoire, l'équivalent de 200 pages. C'est un gros livre, c'est un faux gros, parce qu'il n'y a qu'une présentation relativement courte que je fais, où j'essaie de situer, comme j'essaie de le faire encore plus courtement ici, mais lié dans l'histoire des idées, à la fois philosophiques et politiques. Et en même temps, ça donne à lire Mailly, mais pour 2020, donc nous aurons, on va travailler à cela avec les éditions Aden, travailler à la réédition de ce mémoire. Il existait donc sous cette forme, et on le trouve en bibliothèque très rare, on le trouve sur Internet très cher, et il existait dans sa version vieux français du XVIIIe siècle. Ça sera donc une version française modernisée que l'on va proposer. Une autre édition avait été faite vers 2007 par les éditions Coda, un texte aujourd'hui difficilement trouvable et qui rassemblé sur 600 pages, donc c'est vraiment du condensé des petits caractères, mais l'ensemble de ce texte de Mailly, on peut donc encore le trouver, mais on essaiera de faire en sorte qu'il soit accessible au plus grand nombre, parce que Mailly mérite d'être connu. Voilà, merci à Jean-Michel. Tu es inépuisable sur le sujet, et je sais que tu sortiras peut-être frustré d'ici, en pensant, j'aurais voulu parler de cela, mais devras garder ta frustration pour toi-même, mais ce sont les impératifs, je dirais, c'était surtout un grand plaisir du format de ce genre d'entretien, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura en tout cas compris, ou en tout cas, compris quel a été le rôle de Jean Mailly, et d'autre part, les références qui ont été, que tu as montrées ici, permettront à tout un chacun, en tout cas pour certains de ses ouvrages, de pouvoir aller un peu plus loin dans leur enquête. En tout cas, un grand merci. Nous travaillons en pleine vacances pour l'instant, et nous sommes le lendemain du jour de Noël.
Voilà, donc, pour comme quoi, il n'y a pas de jour chômé. Voilà, pas de mauvais jour pour parler de Méliès. C'est toujours un grand plaisir de m'entretenir avec toi, Jean-Michel. Et c'est tout, tu l'as vu, un grand plaisir parler de ce penseur trop injustement méconnu. Donc, merci encore. Merci.